Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la pour ce nouvel épisode de Mad Max. Donc chers amis, on va aller se faire ce petit épouvantail. Ensuite on va aller se faire le camp de... le prochain camp qui est un peu plus au nord il me semble, voilà c'est ça. Enfin on va dire même plus à l'ouest, ça va être plus précis. Avant ça on ira se faire la formation qui va avec. Voilà. Non, je l'ai raté. Ah, je pensais que j'allais la voir, mais je l'ai raté. Que la voiture était couchée sur le côté, ça commence bien. C'est bon. Ouh, tant bien que mal, hein. Appelez. Alors maintenant, on va aller se faire cette info. Et on va essayer de rester le moins longtemps possible sur la piste de commande de convoi. Parce que je risque d'avoir envie de le faire. Ah bah ça va, c'est pas trop long. Et comme vous le savez, on n'a pas trop l'équipement pour. Alors. Hop. Hey Rami, tu aimes ça manger des patates? Hop là. Ben j'espère bien que tu vas le réparer. Salut. A warrior comes a walking. Maybe to try beating the tar out of Lord Scrotus transfer camp. Tout à fait. His pups built this to transport crude. It's got protection though. Fair warning. Some of the pups can bite a mite. Oh, d'accord. Donc il y a des sauteurs et des bloqueurs. Vous savez les petits qui sautent tout le temps là. Alors, relique historique près du drapeau rouge. Enfin, relique historique près du drapeau rouge au centre. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'écrire son intérêt. Entrée secrète à gauche du portail principal. J'arrive pas à lire aujourd'hui. Ce quoi est utilisé pour transporter le pétrole brut entre les terres arides et le désert blanc. Des bloqueurs de guerre ont été aperçus à l'intérieur. Ok, bon bah, tu sais quoi chum, on va bourrer. Et on va bourrer sec. Hein. Alors, où est l'entrée? Elle est là, donc c'est pas dur. On se positionne bien, on fait une marche arrière correcte. C'est de rester sur la piste, et on y va. Bonjour les mecs! Donc, 8 réservoirs, une relique, 2 emblèmes, 8 ferrailles, c'est parti! 2 emblèmes? C'est marrant, ça n'y est pas beaucoup. Huit ferrailles, c'est ça. Hop. Non, non. C'est pas lui que je voulais. Merci. Allez, venez les mecs. Oh, bien joué. Oh, je pensais que ça allait le taper. Bon, bah on est niveau max, chers amis. Ah non, niveau 11? What? Hop les boum! Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelqu'un veut négocier? Le problème c'est que j'ai perdu d'où je viens, je crois que je viens de par là. C'est ça. Hop, et je vais vite tomber en panne de munitions si je continue à faire mes conneries comme ça avec le canon. Je vais boire un coup. Hop. Ça c'est fait.
On remplit la gourde. Hop. Et moi, je vous fais un instant, chers amis. Voilà, re. Alors. Hop. On a rempli la gourde, c'est parfait. 1, 2 et 3. Voilà. Et on remonte. La relique historique est ici. Oh, tu es mignon. Maman est toujours dans le gros avion. Elle tue les méchants pour qu'on puisse être libre. J'espère qu'elle rapportera à manger. On a faim. Rhonda, 4 ans et demi. Ça, ça ressemble à un beau mensonge, papa. Things were getting rough all over. Not just in the killing zones. Bon, falloir que j'aille chercher ce truc-là parce que je l'ai pas fait. Wanna fight? Wanna fight? Ça m'énerve de devoir gâcher des munitions pour ça. Ah putain, il y avait quelque chose là. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Deux d'un coup. Le vagabond. Je ne suis pas un vagabond. Je suis un guerrier de la route. Voyons. Il vous parlait beaucoup, par contre niveau action, il n'y a pas des masses. Hein. Hop, 3 et 4. 1, 2 et 3. Bon, allez, ramenez vos fesses. Vous avez vu comme moi ce qu'il y avait en haut. Raté. Raté. Oh, tempête en approche en plus. Ça va être génial ça. Aïe. Bim, bim, bim. Dégage. Aïe. Aïe. Boum! Plac! Dans la gorge! T'avais un couteau dans la gorge? C'est con! Oh la vache! En plus, c'est pas la petite tempête. Hein. Je peux pas le lancer le truc, c'est con. C'est très très con. Bon! Bah écoutez, on va y aller. C'est pas grave. Le butin quand même. Hop là, j'espère que vous m'entendez parfaitement bien, chers amis. Double réservoir de transfert, il me faudrait un baril de pétrole, ça serait cool. Même si je me fais pas trop d'illusions. Et deux d'un coup. Parfait. Il m'en reste encore deux. La ferraille, il m'en reste encore une, c'est bon. Il me faut encore un emblème. Point, 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 point. Hop, on commence par ça. Là, ça a ouvert ici, c'est parfait. Bien avoir un emblème dans le coin quand même. Surtout quand ils nous offrent deux munitions comme ça. C'est souvent assez bon signe. Ah, j'ai vu du rouge là-bas. Parfait. On l'a trouvé.
Alors. Ouh, ça c'était pute. Bien joué, mais c'était pute. Mais j'avoue, je l'ai pas vu venir. Donc il ne nous reste plus qu'un réservoir à trouver qui va être juste ici. Hop. Allez, bonne chance. Hop les, parfait. Oula, on s'est fait emporter par la... par la tempête. Ah bah la tempête se termine parce qu'on a fini le truc, c'est cool. Là c'est parfait tout ça. C'est absolument parfait, chers amis. Ok, 100% en plus, c'est génial. Tout est super génial. Alors l'entrée, la sortie, elle est où? C'est par là. Alors, j'ai juste envie de voir un truc. Ferraille. On a une carrosserie ici? Oh, mais c'est là qu'on va aller d'abord. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on repassera par là. Puis par là. Puis par là. Et on enchaînera sur celui-là ou celui-là. Par contre, on a deux infos ici. On a deux infos. Ah ah, bah on ira faire les deux infos d'abord. Parce que ça m'intrigue qu'il y ait deux infos pour la même chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah non, on vient d'en avoir une. Raconte pas de conneries. Hop, et on y va. Donc là, Jam, on va chercher une carrosserie. J'espère que ça te fait plaisir. Alors, j'ai beaucoup moins de framerate, de baisse de framerate, j'ai l'impression. En tout cas, je les sens pas des masses. On a eu une tempête, j'ai pas vu. Ah oui, les boom bombs. Ah mince, il y a le... bon. Ah ça va, ils sont assez loin. Non, non, pas par là. Alors je sais pas par où tu vis, par où tu regardes, mais... moi je vois rien devant moi. Alors, moi à la base, je voulais regarder s'il y avait des... Salut mec! Dommage hein! BAM! Voilà! Vous étiez que deux! Bon bah je récupère mon couteau alors hein. Fuck it! Alors, ici qu'est-ce qu'on a? 4 ferrailles et une carrosserie. 4 ferrailles et une carrosserie, c'est pas ici qu'on va les trouver. Par contre, si je peux trouver. Voilà, 2 munitions de fusil, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça, ça s'ouvrirait pas par hasard. T'es sûr? Ah non, elle veut pas s'ouvrir. Hop, roule sur le monsieur. Parfait. Ah bah non, on est en plein dedans de toute façon. Alors, 4 ferrailles et une carrosserie. 4 ferrailles, c'est quand même assez balèze ça. Alors là ils ont leur petit salon avec la cheminée juste à côté, c'est cool. Hop les... Aïe. Aïe. Hop les... Punition sur 1 et on en finit. Et bah alors punition sur 1. Voilà. 110 fauchemorts. La route est longue. Tout à fait. Niveau 13. Cool. Bon. Ici on a de l'essence, mais je vois pas beaucoup de ferraille par contre. Hein. Ah, là on a quelque chose. Hop les. Crac. Dune Drift, ah d'accord. Oui. Quelqu'un qui glisse sur la dune, quoi. Sur les dunes. Désolé. Boum. Voilà, ça c'est fait. Hé,
Exécution de surface. Boum. Rends-moi mon couteau. Merci. Hop. Un petit peu de ferraille. Ça fait 2 sur 4. Ici on a encore un fauteuil de tranquillité. Ça m'étonne cet endroit, il est vraiment bizarre. En plus pour une petite décharge, elle est vachement grande et vachement en profondeur. En plus ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment cherché à faire une décharge. Enfin oui, c'est le cas. Hop, on mange un coup. Voilà, parfait. Un petit bout de chien, enfin de bouffe pour chien, on se trompe pas. On n'est pas encore chinois. Pas encore. Alors. Ok, il n'y a rien. Donc au niveau de la ferraille, il en reste deux. J'en ai déjà vu une, voilà, un peu plus bas. C'est plus qu'à trouver la dernière. Voilà la dernière. Une ferraille. Deux ferrailles, moi je vais y arriver. Quatre ferrailles. Enfin la carrosserie. J'aurais dû la regarder avant, j'étais stupide. Death Rattle. Oula. Ah oui, ça a une drôle de tronche quand même ce truc là. Alors juste pour voir, est-ce qu'on a des archanges disponibles? Prêt à construire. D'accord, une pièce manquante. Le couillu, faut combattre le couillu, d'accord. Deux pièces manquantes, donc ça c'est au niveau d'accord. Gueule de fion, putain mais les noms qui se tapent les pauvres. 6 pièces, 5 pièces, 7 pièces, 9 pièces, 15 pièces, ah d'accord. Il y a du boulot encore chers amis, hein, dis donc. Par contre je ferais bien venir la voiture jusqu'ici, je peux pas. Dommage, j'aurais bien aimé qu'elle passe par là en fait. Bon. Allez. Non, toujours pas. Ça te tente pas. Voilà, appelle la voiture. What? Mais t'es passé comment? T'es tombé du haut du machin et puis t'es redescendu? Toujours aussi fou celui-là. Bon, commençons par ça. Alors. Salut les mecs. Alors les tombereaux, c'est quoi? D'accord. En vomissant leurs redoutables acrobates. D'accord. C'est pas grave, on roule. Alors comment je vais l'atteindre celui-là? C'est un point de passage dans lequel je peux rentrer ou pas? Eh non. Aïe. Eh mais c'est que ça fait mal ça. Aïe. Voilà, vous êtes trop nuls. Attaquez-vous à Chum, vous allez voir, c'est un mec sympa. Comment je fais pour les péter ces trucs-là? Nom de Dieu. Oh, pourquoi vous êtes sorti de la caisse? Vous êtes en papier mâché, c'est pas possible. Ah, ça a été plus rapide pour lui que pour moi. Dommage. J'imagine qu'il faut que je tire dessus avec le... Ah, je suis pas passé par le bon côté. Est-ce qu'il va me faire une remarque? Non, il y a intérêt. Ça c'est qu'un caca... c'est qu'un macabé ça, c'est pas important. Pourquoi je peux pas? D'accord, c'est en bourrant.
Voilà. Ok, le sniper maintenant. Au lumineux. Je sais pas ce que c'est. Là c'est à droite. Hop là. Hop là. C'est bête. C'est bête ce qui t'est arrivé. Tu t'es pris une caisse. C'est con. On va se prendre celui-là aussi, tiens. Tant qu'à faire, il ne reste plus qu'un de toute façon. Un sniper et deux camps. Parfait. Et c'est un camp de Kaïd ? C'est un camp de Kaïd, la grande lame. Gueule de fion. Ah, voilà gueule de fion. Et ben voilà ce qu'on va faire, chers amis. On va se prendre le sniper, faire les deux informations et se faire gueule de fion dans le prochain. Alors. Le voilà en plus. Il me nargue. Il me nargue. Et vous savez quoi? On va se faire un combat de snipe. Sauf que moi au combat de snipe, je gagne toujours. Hop. Voilà. Et donc voici les fameuses éoliennes. On est reparti. C'est marrant, il passe par là, lui. En tout cas, ah, une baisse de framerate, ça c'est intéressant. On n'avait pas encore eu pourtant depuis longtemps. Moi qui m'attendais. Ah, mais non, il m'a perdu de vue, littéralement. Waouh, c'est joli. Il y a des snipers. Il y en a un de moins. Il y en a un autre de moins. Alors, bonjour. Bonjour madame. Pardon, bonjour monsieur. Putain, je vais pas y arriver. C'est ce que t'as à me dire? Ah, c'était du RP, c'était du background, l'évolution du jeu en fait. Les gens commencent à se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Ah bah c'est pas plus mal, remarque, j'aime bien ce genre de choses, ce genre de, comment, de... d'évolution en fait, de suivi, entre guillemets. Ça veut dire qu'en gros, ils ont pas fait ça pour juste pour faire les différents... Enfin... On est récompensé d'une histoire pour avoir fait les différents objectifs secondaires. Combien qu'il me reste de munitions? Suffisamment. Il doit m'en rester une qui doit être en face et que je peux pas voir. Chem, bouge. Oh, y a une grosse dune quoi. Forcément. Allez, monte la pente. Monte. Oh putain. Bon Chem, je prends la place. Alors. Hail me! Il semblerait que tu aies du dinkidi à côté de toi. Tu aimes ça, manger du dinkidi? Hop, qu'est-ce que tu vas me proposer, toi? Not that I'd want to go up against pervy Rimjobby. Make sure to hit him with your best. Ça c'est intéressant, il aime pas les armes. Bon! C'est un bon point. Alors. Camp de Kaïd, la grande lame, de par sa position centrale, ce camp est un endroit stratégique pour Scrotus. Il est défendu par le Kaïd Gueule de Fion qui est vulnérable à l'attaque de corps à corps. Info supplémentaire, périmètre très bien défendu.
Attention aux boomers. Possibilité d'entrer dans chaque côté du portail principal. Butin sous la reine du Kaïd. Info notée dans le journal. Eh bah écoutez, moi je dis qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, chers amis. Et on le verra dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Péroum. Vous pouvez retrouver les liens dans la manière de la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer dans les liens du descriptif de l'épisode vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour un autre épisode de Mad Max. Salut les gens.